bénédiction du Seigneur soit ton partage, mon frère, ma sœur. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Actes, chapitre 1, le verset 10 à 15. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un même accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Amen. Chantons ensemble ce chant qui a pour titre « Ils étaient 120 fidèles ». Ils étaient 120 fidèles. Avec zèle.